Un camion de 40 tonnes est pris au piège au passage à niveau. La remorque repose sur les rails et la cabine n'avance plus. Ses roues tournent dans le vide tandis que le train approche. Les gens du quartier viennent voir ce qui se passe. Ce n'est pas le premier accident auquel ils assistent et ils craignent le pire. En sortant d'un léger virage, le conducteur du train aperçoit le camion sur la voie à 1 km de là. Il actionne les freins. Mais lorsqu'une locomotive tire 60 wagons à 80 km/h, impossible de l'arrêter sur le champ. Il lui faut 2,5 km pour s'immobiliser. Par chance, le chauffeur parvient à s'extraire de la cabine quelques secondes avant l'impact. Un panneau signale le danger, mais ces 10 dernières années, 5 camions ont subi le même sort, au même endroit. Le semi-remorque transportait du coton et personne n'a été blessé. L'histoire aurait certainement été différente s'il avait transporté de l'acier. Le train aurait sans doute déraillé.